Vendredi 25 septembre 09-10-00, CERM Martigny, le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports avait convié la presse pour présenter le nouveau fleuron de la flotte des hélicoptères de l'armée suisse, l'Eurocoptère EC-635. Une présentation organisée dans le cadre de la présence du DDPS à la Foire du Valais. Loin de la précision militaire habituelle, l'Eurocoptère s'est finalement posé avec 40 minutes de retard sur l'horaire initial. Mais pas de quoi diminuer l'enthousiasme des responsables au moment de présenter les capacités du nouvel engin. C'est le dernier modèle qui vient d'être entré en service, donc à partir de l'année 2009. C'est le EC-635 qui est utilisé principalement pour le transport, mais qui peut aussi être utilisé pour le sauvetage de personnes. Et on a deux hélicoptères dans sa version de transport de personnalités, que ce soit des conseillers fédéraux ou des invités de la Confédération. L'hélicoptère prendra place à côté d'un F-5 Tiger dans le village du DDPS à la Foire du Valais, un avion qui n'est plus à la pointe de la technologie selon l'armée, qui le compare notamment avec un ordinateur de l'époque où les avions ont été acquis. Mais l'armée s'en défend, le but n'est pas de montrer à la population qu'il est nécessaire d'acheter de nouveaux avions. C'est pas le but de cette manifestation, le but de la foire ou de la présence de l'armée à la foire, c'est pas de convaincre qui que ce soit qu'on a besoin d'argent, c'est simplement montrer à la population, en Valais en particulier, qui a forcément des nuisances dues au bruit de la base aérienne de Sion, c'est de montrer pourquoi on est là, qu'est-ce que peut faire les forces aériennes et par là même l'armée et carrément tout le département, étant donné que c'est tout le département avec sa composante des sports et sa composante de la protection de la population qui est aussi présent sur le site de Martigny. Avant même l'ouverture de la foire, le F-5 Tiger a déjà été une belle attraction lors de son transport de l'aérodrome militaire de Sion jusqu'aux Côtes-du-Rhône. Un transport spécial organisé sur l'autoroute de nuit à une vitesse de 8 km/h.